Ce que je vais dire aux enfants, c'est d'abord pour notre pays, nzambe aolinga telemisa drapeau na mboka oyo. Mais le diable est tenté de combattre le Saint-Esprit. Le diable est tenté de combattre la mission où Dieu veut faire dans ces pays à travers les choses qui se passent dans le monde ici. Mais là, ça va dans le monde. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, tout ce que je vais citer, mais je vous dis aux enfants de Dieu ici. Et ce pays appartient à Dieu. Ce pays est à Dieu et ce pays appartient à Dieu. Dieu du ciel est au rendez-vous. Pendant que moi je priais, j'ai vu les drapeaux du Congo étaient en bas, mais je voyais les drapeaux du Congo en train de te relever encore. Nous ne sommes pas les prophètes au Sakola, sur le Cambo, Sami. Non, au Sakola, Makambo, il y a des missions présentes dans Sakola, le Cambo, dans mon Europe, Bitumba, Makas, mais guerre, Makas. Mais les gens se posent des questions que guerre, ou comme si c'était la guerre mondiale. Non, c'est la guerre mondiale pour autant et ça va finir. Et après cette année, Christ a rejoint l'église à élever, c'est alors que le vrai guerre est bandé au monde entier. Mais là, et si la paix calamite des guerres au besoin de l'Ukraine, au sens calamite, ça va pas toucher le monde, ça va. J'ai écouté ce que tu as parlé, mais j'ai eu trop de choses avec les hommes. Les hommes m'ont beaucoup déçu. Je ne sais pas quoi faire. Même le père de mon enfant, la personne que j'avais beaucoup contrôlé dans la vie, il est parti. Il m'a laissé comme ça. J'ai pris la décision. Mon chien devient mon mari et je sors avec mon chien. Moi, je dis, c'est tout un esprit qui est en train de manipuler ta vie. On a commencé la prière avec la sœur. Et les jours où on voulait terminer la prière, chose grave. Excusez-moi pour le temps, mais pour les gens, excusez-moi. Pour chose grave. Donc, tous les rapports qu'il faisait avec le chien. Chose grave, la sœur s'est transformée, commençait à aboyer comme le chat, et puis il a commencé à vomir des choses comme impossible. Or, le chat, en réalité, n'était pas le chat, c'était un esprit qui était venu. L'esprit est entré dans le chat s'est transformé. Donc, c'est tout un esprit. Amour. Un serment au Canada. Va proposer qui a côté à loge. Au moment où Benga côté à loge, le Seigneur me révèle ici que non, va proposer comme à loge. On a prié. Oh, c'est quelqu'un qui une semaine. Nous avons pas pambolé la bombe et belé. Elle n'a pas compris. Quand je l'ai refusé, on a prié avec. Il y a un homme. Oh, bah, zala kanaye kalba et bakabwa na salaga basala na bola mon avis. Bah, coute naye à kabeli mbong et belé. Pas moi décider son nom ici à la télé. On lui dit comment était. Bon, il a eu 200 000 euros à Pessi, à Kabeliango. Au moins, il s'est on lui a proposé ce qu'on côté de la loge, on reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup, on reçoit. Or, c'est le moment où le diable cherchait. Il y a un bébé qui n'est pas mort, nous sommes en Pessi. L'Ukraine, partout où vous êtes dans le monde, si l'Éternel est avec toi, Dieu te protège. Je connais les gens, oyo, ben risque l'ouan na vie na bango. Mais le collègue Limbanza, mais c'est qu'il na bango, ça m'a battu la bango. Moi, qui je parle, j'ai été enlevé 4 fois dans ma vie. Enlevé. Quand très fois enlevé, tu sais qu'il y a 5 personnes. Je vomis tous les 4, mais moi, une fille me dit qui m'a naïo, qui est naïo. Là, c'est retrouvant dans l'Ikasi, les gens qui connaissent l'Ikasi, Marcolo. Il fait une grande distance. Mais ceux qui nous ont battu, les mbonaïe, à Tabando qui m'a mati. Voilà, shalom et merci, mesdames et messieurs. Bienvenue chez nous, Équilibre Télévision, toujours au centre des informations. Jérémy Luemba, les Renards du Désert est devant vous. Un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires. On est là avec un homme de Dieu que vous connaissez bien. Et je crois qu'il va encore s'y représenter parce que moi, Miko Lebele, un grand merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement, commentez positivement pour nous encourager, partagez l'émission si possible. Je crois que vous serez bénis. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa Jérémy, les renards du désert. Monde entier, bon, t'as l'habitude, bonne santé. Non, ça va, Dieu nous fait grâce, ça va. On peut débuter par la prière, papa. Merci, prions. Tendre Père, ton péché, merci. Aux Anzambe, aux Salamakam, aux Yolingi, le Moutako, Pekisayo, Azate. Merci parce que tu as dit le nom, parce que tu as dit ce qui est côté de côté, au Salam, au Salam Punda. Seigneur, on résolve que tu as dit les missions qui nous soukanango. Et elle a béni par vous. Et nous sommes tous là dans quel que soit ce qui peut lui déranger. Nous allons apporter solution pour victoire dans la vie. Nous allons bien aimer les âmes dans la vie. Au nom de Jésus, je dis que M. Kotrabanda, nous avons résolu dans ma caméra de dérangement dans la vie. Nous allons combattre Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu pour cette prière. D'abord, Boni, Moussa Nzambe. Oui, nous sommes bien le de clôture activité na biso vraiment nous sommes glorifiés comme l'habitude parce que mon nous sommes vous savez Dieu ne voit pas l'échec, Dieu voit toujours la réussite. Il y a un moment où c'est pas Israël bon on la canabo qu'en Égypte, il savait qu'il y aura des problèmes dans la route. Eh ben que Jéricho est là, eh ben que Boé est là, mais Dieu n'a pas parlé de cela. Pourquoi? Parce que malgré que Zala, mais moi je serai le vainqueur dans le long. Donc c'est pour Dieu que nous sommes les vainqueurs parce que nous avons Christ en nous et le Seigneur marche avec nous.
Voilà la raison pour laquelle je dis que, comme l'habitude, parce qu'il est avec nous, il y a la réussite. Alors, rappelez-vous, Ndeko Kombo, vous êtes dirigeant de quelle église, vous êtes dans la communauté Nini. C'est très important, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, Nzamba Pambola. Nous sommes dans la famille chrétienne, j'ai toujours dit ça. C'est là où je suis pasteur, il y a beaucoup d'églises. Mais là, nous sommes ici à Kinshasa, c'est là où nous sommes, sur l'avenue Kulumba, numéro 7. C'est là où nous sommes, c'est ça où se trouve l'église de Dieu. Si vous avez besoin de nous, vous avez quelqu'un ici partout, vous êtes dans le monde, vous allez quand même, vous avez besoin de nous visiter. Nous sommes là, l'église est là. Je suis le pasteur Henri Mbillé, c'est ça mon nom. Voilà, c'est un peu ça. L'homme de Dieu Henri Mbillé. Je crois que Bandegoming Baza béni en ce moment parce que Baka Isaïbélé. Merci. Le problème peut Isaïbélé. C'est vrai, Ming Bata Rabisso, Bazali, Libanda, Mboka. Même là où ils sont, tout n'est pas rose. Combat spirituel les Ali, bah réalité ça m'ont mis alors bah toi quand t'as l'habitude de venir papa, oh bah perdre qui espoir vu qu'il bah zoom on a l'avènement la guerre, toujours on a l'instabilité, toujours on a bah accident bah mort subite par la foi quoi ça va venir papa. Par la foi on a quoi ça va venir que d'abord le Seigneur est vivant, Dieu est réel et Dieu est réel. Pour naba o eblobi abisi David abi je ne permettais pas que ton pied chancelle abi nako permettre te ezablo mususu ce qui nzamba permettre te pas na yo muto simboza la te abi na permettre te atel ikona yo ebetali ba kuna yo samona nzamba zo nanga nzamba to semble soko yamba yesu comme au cosmo bixa bomo na yo tu crois que Dieu Jésus-Christ est réel, sache le très bien que il ne permettra point même si ton voisin brosa 10 dans l'hôpital neuf pe ba ko kufa me yo o kufa te brosa les belles Ebele babwa ki maya monganga yeba ki nzamba zakat na yo akufisa yote okubi okomprendre mutoza na nzamba za na resdoza na nzamba longaka yango mwana mu eglise o témoigne singa papa nzamba za réel abima ki na mobali mogile venir confesser chez moi c'est que lui est arrivé papa na mena mobali moko par souffrance na kata passe je vais prouver les enfants qui a il écran de cette nzamba abatra abina bena mobali za directeur azara banque plutôt. Et Mobala Zani, soka bimina mwasi, et retourna yé, après une semaine, excusez-moi pour le terme, on a ce vêtement mwasi, on a mis en amont des ténèbres, et salimbo on a après une semaine mwasi, on a koufi. Et la fille, comme il voulait présenter l'examen d'état, a dit qu'il y a possibilité, et le même garçon bancaire a bimi penaï comme l'habitude, et a zupé ce vêtement, a mimi a mwé pa bonganga. Le quoi, moi, a dit sous couverture à Bassel Nzambe, sous couverture à Nzambe, comme l'éternel, c'est vrai, il a fait du mal, mais comme il était venu confesser, il a confessé le péché, on a prié pour elle, et la protection de Dieu était avec lui. Et le monsieur est parti à Zui, à présentant, c'est la cérémonie, la fille est sortie. Mais bah, le cas de ma fille, a eu bon moment. Pourquoi? Quand Jésus-Christ est avec toi, tu peux être une personne au salaire, mais quand le Seigneur te pardonne, il est avec toi. Tout ce que le monde de Dieu, le monde éternel prépare pour toi, rien de mal va t'arriver. Pourquoi? Nzambazan angam, nous pouvons nous battre là. Et le garçon a travaillé, le col là, yo. Nde, obéna moto, oba simbakate, ton métier simde, yon de folle kana place na ye. Bien aimé, je peux vous dire une chose vraie, tu peux être dans les mal, tu peux être ce que tu es, mais si tu demandes pardon à Dieu, et tu reviens à Dieu, et tu as la couverture de Dieu, l'éternel ne permettra point que ton pied chancelle. Yom de solanda, bisoba, question ma problème est belé, sache le mec que Dieu vivant, le Seigneur vivant, il va te prendre. Même dans les moments où il y a les dangers, il y a qui sont à les craignes, partout où vous êtes dans le monde, si l'éternel est avec toi, Dieu te protège. Je connais les gens, oh yo, ben risque à l'ouana vie na bango, mais le quoi les moi qui je vous parle, j'ai été enlevé 4 fois dans ma vie. Enlevé. Quand 3 fois enlevé, tu sais qu'il y a 5 personnes. Babomi tous les 4, mais moi, une fille me dit qui m'a naïo, qui n'est naïo. Là, c'est retrouvé dans l'Ikasi. Les gens qui connaissent l'Ikasi, ma colo, il fait une grande distance. Mais ceux qui nous ont battu, les l'embonaïe, à tabando qui m'a mati, ma kiti, et l'eau qui est comme les alates. Dieu est vivant, Dieu est réel. C'est pour ça que Dieu ne peut pas se bon, il n'a pas insulté. Et c'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que c'est le seul unique et le véritable qui peut te protéger, qui peut te garder, papa Jérémy. Voilà ce que je peux consoler aux enfants de Dieu. Voilà, ça c'est bien dit l'homme de Dieu, merci pour ces petits moments. Alors entre nous quand même, tous en amour de la femme, papa. Comme vous le savez, la femme Azali est un être que nous respectons. Azali Moutou a valeur. Il y a tout un mois qui a été dédié pour l'honneur de la femme. C'est le mois de mars, d'ailleurs le 8. C'est déjà demain, je crois, c'est aujourd'hui, demain, je crois. Et Bango va célébrer moi na Bango, topé journée na Bango. Mais si vous regardez bien dans le monde, on a connu beaucoup de situations où ils ont commis la basse. D'abord, le phénomène, le lesbianisme,
y a des femmes qui sont devenues des lesbiennes. Au moins, moi, c'est au préfet qu'on va la mouninga n'est moi si. Bah, ça la pratique amoureuse, sexuelle et consort. Mais le lot, il y a des femmes qui préfèrent faire la prostitution avec des animaux, des chiens et autres. Alors, lui étant qu'un pasteur, un homme de Dieu, comment voyez-vous toutes ces pratiques? D'abord, c'est Zara Kindo qui bien Zali Kaka Torolo ba circonstances qu'il y a vie. Non, c'est un geste loué, mais c'est tout un esprit. Papa, moi, nous, 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 le monde est connu et conduit par le même. Mais on a même trop Nzambe. On dit, na trop Nzambe, Zingami, na bœuf, na lion, Zingami, na aigle, Zingami, na anneau. Donc, ça veut dire, même dans le monde spirituel, il y a des hommes qui se transforment à l'animal. Vous savez, la femme avait une gloire auparavant, mais la femme avait détruit sa gloire dans les jardins d'Eden. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a pris la gloire que la femme avait perdue, il a remis à la femme la gloire. Vous comprenez? À travers Marie, Yeshua Botami, voilà. La femme, même l'église, ça représente, ça montre la représentation d'une femme. Mais au moment que le diable, le même diable, Oyo, a yaki na debi na jardin d'Eden pour détruire, récupérer la gloire de la femme. Et c'est le même diable qui s'est carné aujourd'hui pour venir encore récupérer ce que Dieu avait remis à la femme. Ce sont nos moments que nous voulons dire que, et un moment où ils comprennent. Parce que n'habite au salango, oui, c'est vrai, ça peut être un envoûtement. Lui, surtout au milieu des. Quand tu vois que tu es dans un milieu où le mal là, et ça glorie, parce que ben, qu'il mokili, Oyo, le monde est vain et tout est passager. Et c'est le loco mokote na mokili, Oyo, qui est l'éternel. Bon, mais nous tous ce que nous parlons ici papa, hier on souffrait dans la vie, on croyait que la vie est finie. On voyait que pour avoir une voiture, il faut se faire c'est la fétiche. On croyait que pour avoir ce qu'on a besoin aujourd'hui, il faut faire la fétiche. Non, on a compris que l'éternel Dieu dit, c'est quand on est fidèle avec l'éternel, Dieu récompense ses anciens, ses siens. Dans le livre, il y a Apocalypse 22, 11, je viendrai rémunérer tout le monde qui m'ont servi dans la vie. Quand on sert l'éternel, il y a une rémunération. Dieu rémunère, Dieu donne. Reste fidèle avec l'éternel. Marche avec la crainte du Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, ne t'abuse pas. Ne voyez pas que ce que tu vois là, c'est bien. Non, c'est passager. Mon livre, autant que je suis salamaki, je parle avec un occultiste qui s'est répandu. Parce que papa, quand nous partons dans le fétiche, on nous dit que le ciel, c'est l'utopie. Et Dieu nous dit que le Dieu supérieur n'est pas puissant et c'est le Dieu, le diable qui est puissant. Parce que le Dieu diable, il est bien, il est ce qu'il est bien. Mais on vous trompe pourquoi? Parce que si le diable était fort, il ne devait pas être jeté. Si le diable était jeté, c'est parce que Dieu est plus fort et Dieu restera le plus fort. Voilà. Si Dieu laisse le diable dans ce monde, c'est pour un temps. Et il y aura un temps, Christ viendra prendre son église. Mais c'est le moment de profiter, de donner sa vie en Jésus. Il ne faut pas entrer. Écoutez, si le vent amène les gens vers la gauche, toi ne partez pas vers gauche, rentre vers droite, parce que le Seigneur est là. Moi, j'ai connu. Tout ça, c'est pourquoi papa Jérémie. C'est parce que il y a des gens qui sont pressés dans la vie, là c'est un. Et puis il y a des gens qui n'y croient pas, qui ne sont pas patients avec le Seigneur, et les gens qui ne croient pas que Dieu est capable. Écoutez-moi, peut-être tu es décidé avec les gens qui t'ont pressé dans la vie, vous avez décidé de autant sur Bazaki l'émotion, vous avez décidé de faire non, les cambois, ils ont ma solution. Pourquoi tu as raconté des tueurs de destin? Mais je vous dis une chose vraie, mes soeurs, mon frère, que jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne manque pas de serviteurs. Les gens capables qui peuvent t'orienter, qui peuvent t'aider. Oh non, déception, mon bal. Oh les cambois, oui, c'est vrai, ce sont des choses qui arrivent. Mais tu peux récupérer, le Seigneur peut récupérer. Il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils les revivre encore? Ézéchiel a dit, Seigneur, moi, je ne sais pas, c'est toi qui les ai. Ézéchiel a compris, moi, je ne peux rien faire, l'homme ne peut rien faire. Mais l'éternel Dieu a la capacité de tout faire dans la vie. Et Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Et quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, la Bible dit, les eaux commençaient à se retourner, donc à rentrer en vie. C'est pour dire quoi? Ce qui est parti peut revenir. Ne gâchez pas ta vie, ma soeur. Nous sommes dans le monde de la femme. Permettez que ta vie soit bénie parce qu'après cela, il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à inviter. Voilà si je pouvais répondre à mes soeurs. Honorez-vous, Dieu va vous honorer encore. Ceux qui ont vécu les témoignages, ceux qui ont grandi dans la foi, ceux qui se sont bénis, ce n'est pas seulement les fétiches. On vous trompe. On prend seulement ce qui est en vous pour utiliser ça. L'étoile, les acteurs, ben, je vais utiliser ça. Diable, le camp dans une étoile, tu sais. Diable, le camp dans une étoile. N'est-ce pas, ben, qu'on propose, yo, au côté à l'ange, au côté à beau, au côté à beau. Et ça, lorsqu'on sert mon bonheur à Canada, ben, proposer qui a côté à l'ange. Au moment, ben, qui a côté à l'ange, le Seigneur me révèle ici que non, ben, proposer comme à l'ange. On a prié, oh, c'est quelqu'un qui, une semaine, nous en bas, pas, bon, la mon est belle. Elle n'a pas compris. Quand je l'ai refusé, on a prié avec elle. Il y a un homme. Mon avis, à Kabelimbo, il n'y a pas moi décidé de son nom ici à la télé.
On dit comment on a eu 200 000 euros à Pessi, à Kabeli. Au moins, ça t'a dit. On leur proposait ce qu'on a dans la loge, on reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup. Or, c'est le moment où le diable cherchait. Il y a un bébé qui n'est pas mort, oh, c'est un bébé qui a Pessi. Et s'il n'y avait pas un prophète, un homme de Dieu qui pouvait orienter la sœur, que non, je vois ça, 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 ça. Et la sœur devait tomber dans les mêmes pièges parce que la souffrance était là. Mais parce qu'il était sous notre encadrement, on priait pour eux. Voilà la raison pour laquelle on lui a révélé ça. On lui dit, maman, attention. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et la sœur a écouté la voix de Dieu, elle a obéi. Après cela, la sœur a vu un témoignage. Ma soeur, mon frère, on va vous précipiter dans le mal au moment où l'étoile de Dieu veut briller en vous. Voilà. La prophétie a été parlée plusieurs fois dans la vie. Mais Christ ne venait pas. Mais il y a un moment donné, il y a une prophétie dernière quand elle est sortie, Christ est revenu. Je vous dis que ton Christ viendra, ta bénédiction viendra, les mariages passeront, l'argent passera, le vécu passera. Mais Dieu restera éternel et le ciel, c'est pour l'éternel. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà. Merci pour cette exhortation, l'homme de Dieu. Je crois que j'ai retenu une phrase que vous avez glissée au lobby. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Vraiment. Ça, c'est tellement profond. Nous devons faire la part des choses, quoi. Amen. C'est vrai, tout dans le monde, dans ma soumou, nous sommes tous des pécheurs, mais tout reconnaître grandeur et Nzambé. Amen. Tout se laisser faire, parce qu'il y a des jeunes femmes. Tu vois, la liste est sortie. Il y a des gens que nous connaissons même ici à Kinshasa qui sont cités parmi elles. Qui sont dans cette vidéo, c'est inconcevable et ça fait très mal. Je crois que c'est votre responsabilité, vous les hommes de Dieu. Mais comment dans un pays comme le Congo, papa, il y a plusieurs églises, mais les péchés ne fait que s'accroître, les années, papa. Oui, ils ont besoin de thème, là, monter ou bien comment? Nous prêchons, papa Jérémy, nous prêchons. Il n'y a pas un prédicateur qui est plus que Dieu. Dieu restera le seul prédicateur excellent dans le monde. Dieu il peut permettre 4-10 choses sans les mains, mais pour prêcher de milliards de personnes. Voilà ce qui s'est passé, la conséquence de ce qu'ils ont trouvé. Baba Moni. Alors, bato ba yebite, oh ba mona kati, oh ba yebek ma kambote, oh ba zena poso kota, oh ba otebi. Ah non. Donc, ils étaient à 100. C'est que nous, les millions que nous voulons entrer à ça, donc ce n'est rien avant ces vanités de vanité. Et c'est maintenant que la parole de Dieu est prêchée avec une force. Vous comprenez pas? Donc, oui, mais ça, 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 et pour que le monde entier, le monde, les millions, vous comprenez que non, c'est vanité de vanité. Papa Jérémy, oui, bien, moi, je connais une maman. Il y a un de quoi c'est les macambo. Moi, je vais pas te condamner. Si je peux te dire, c'est la vraie raison que si tu reviens à Dieu, Dieu peut sauver ta vie. Moi, je connais une soeur dans sa vie, comme la vie de la déception, la vie n'agira à du macanambo à. Et pendant qu'elle m'appelait un jour, je pressais ces choses. Elle dit, papa, j'écoutais ce que tu as parlé, mais j'ai trop de choses avec les hommes. Les hommes m'ont beaucoup déçu. Je ne sais pas quoi faire. Même le père de mon enfant, la personne que j'avais beaucoup construite dans la vie, il est parti. Il m'a laissé comme ça. J'ai pris la décision. Mon chien devient mon mari et je sors avec mon chien. Moi, je dis, c'est tout un esprit qui est en train de manipuler ta vie. On a commencé la prière avec la sœur. Et les jours où on voulait terminer la prière, chose grave. Excusez-moi pour le temps, mais pour les gens, excusez-moi. Pour chose grave. Donc, tous les rapports qu'il faisait avec le chien. Chose grave, la sœur s'est transformée, commençait à aboyer comme le chat, et puis il a commencé à vomir des choses comme impossible. Or, le chat, en réalité, n'était pas le chat, c'était un esprit qui était venu. L'esprit est entré dans le chat s'est transformé. Donc, mon ami, on loue la mouni et n'y a malazama, on loue la mouna et le koum la moutou. C'est tout un esprit. Amour et amour. Amour, amour et matillé, cotillé. Mais si Dieu n'était pas là, la sœur devait. Et puis, pendant qu'on priait, à la fin de la prière, les chiens lui répondent à la bouche, les chiens parlent maintenant pour lui dire « Je suis telle personne, telle personne, telle personne. » Vous comprenez? Donc après délivrance. Après délivrance, il dit « Olia kambongo nanga, oshina kambo, yana kota ina mboa opona salo amona salo wana. » Ça veut dire tout ça, le diable, donc, il fait créer n'importe quoi pour chercher des trucs. A bon moment, comme moi, à côté de l'esprit, à côté de moi, à qui pas dans cette cérémonie, à commissaire, moi, à côté de moi, pour assagrancer, à côté de l'esprit, moi, la cérébelle, la maladie, boum, à comprendre des règles douloureuses, à comprendre des moutons, moi, ça n'est pas si, à moi, on a dit, rien ne marche, moi, ça n'est si lié, malamoko, pourquoi? Parce que là, tu étais comme un fainéant, et ça n'est pas quoi faire. Mais après la prière, Dieu a sauvé l'esprit, les parties, les plaies sorties. Et aujourd'hui, la sœur, elle s'est remariée, Dieu lui a fait grâce. Elle est avec son mari, elle est avec ses enfants. Dieu lui a fait grâce. C'est pour dire que quand on fait ces choses, on ne peut pas se délivrer d'elle-même, parce que c'est un esprit. On ne peut pas se délivrer d'elle-même. Donc, comme un moment où il faut, au Luka, il sungi ya bato baza plus, parce que dans la prison, on ne se libère pas. On libère, la personne qui peut libérer, c'est la personne qui est libérée. Écoutez-moi, l'église de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à libérer ta vie de Saint-Lévêque. Ils ne sont pas libérés. Pourquoi? Parce que d'abord, toi-même, ils ne sont pas libérés. Il faut la libération pour les gens qui sont libérés dans la vie. Donc, ça dit.
Yom to landa biso, c'est le porté de profiter l'occasion d'intéresser les hommes de Dieu que tu sens que tu es convaincu par l'esprit. Bas souvent ma bonne la fait que l'esprit on a. Yom ko long angote. Il faut nzambe long on la basse la nzambe en fait que tu sois sauvé. Voilà ce qui est le plus important. Donc, comme le bate belé et on a les cas autour de nous, les locaux, tout au bimisiko. Mais ça fait des années autour ça, bakar de France à boyer. Moutou azakana, moi le col mobile naïe à cause de ma déception, à cause de mon bébé les belé. Sache-le bien que Dieu vous attend encore. La main de Dieu est ouverte. La croix de Jésus est réelle. Le Christ est mort, il est resté, c'est la vérité. Et si tu donnes ton cœur à Jésus, Dieu peut te libérer, peut te sauver ta vie. Et tu peux voir que ce que tu es en train d'envier là, Dieu peut les donner dans ta vie et tu seras béni. Voilà ce qui est le plus important. Voilà, merci l'homme de Dieu. Nous voici arrivés complètement vers la fin de cet entretien. Mais avant tout, aux alliés, pasteurs, serviteurs de Dieu, pendant ces temps, tous au Koutanaté, c'est vrai, vous avez un temps à prière, ouais, concentration et autres. Quelles sont les révélations qu'on a PCO par rapport à l'évolution encore du Christ ou encore par rapport à la nation congolaise? Est-ce qu'on a la question de Makambu, vision, Ndoto, ou bien il n'a encore rien dit jusque-là? Non, non. On était à la retraite, ça a déjà fait 4 jours je crois. Donc c'est hier que moi j'ai proposé que je joue à l'équipe de tout ça l'émission, mais j'étais à la montagne, mais le Seigneur m'a recommandé des cognons comme ma prieur. Il y a 3 choses que je vais dire aux enfants. D'abord pour notre pays, nous avons l'ingaté le drapeau dans Mboka Oe. Mais le diable est tenté de combattre le Saint-Esprit. Le diable est tenté de combattre la mission où Dieu veut faire dans ces pays, à travers les choses qui se passent dans le monde ici. Mais là, ça va dans le monde. Je ne sais pas citer les noms des gens ici, tout ce que je peux citer, mais je vous dis aux enfants de Dieu ici. Et ce pays appartient à Dieu. Ce pays est à Dieu et ce pays appartient à Dieu. Dieu du ciel est au rendez-vous. Pendant que moi je priais, j'ai vu les drapeaux du Congo étaient en bas, mais je voyais les drapeaux du Congo en train d'être relevés encore. Donc Dieu va relever. Donc l'Afrique sera relevée par les drapeaux du Congo. Le monde sera relevé par les drapeaux du Congo. J'ai vu les drapeaux du Congo. Ils tombent en malissus sur la vie et matalissus. Vous comprenez bien. C'est pour dire que, et comité à Nzambe, pour les enfants de Dieu, ne vous en faites pas. Le Seigneur est avec nous et nous allons voir. Et ils ont le témoigné Dieu. Il y a beaucoup de choses à parler. J'avais dit ces messages que Dieu m'avait parlé. Je vais faire ça le mardi avec l'émission parce que c'est vraiment trop long l'émission. Je vais faire ça avec papa Jérémy après. Le mardi prochain, je vais le faire. Pour aujourd'hui, je vous ai dit que le pays que nous voyons, notre Congo, c'est vrai, nous voyons ce que nous voyons, mais le temps est venu. Israël a fait 400 ans d'esclavagisme, mais c'était un peuple qui appartenait à Dieu. Et c'est le moment où Dieu veut délivrer ce pays. Quand on parle que Dieu veut délivrer ce pays, les gens se posent la question, mais comment? Vous savez, Jésus était né, mais le peuple souffrait encore. Moïse était né comme un libérateur, mais le peuple dans l'esclavagisme, Moïse était né déjà. Donc la libération est déjà là. La gloire est déjà là. Mais on n'a pas encore vu ça. Les gens de l'esprit voient déjà ce qui va se passer. Et le Dieu du ciel libérera ces pays au nom de Jésus. Le Dieu du ciel libérera ces pays. Je retiens ces mots. Merci l'homme de Dieu. Et je crois que Bandego Mingi, s'y plaira toujours. On partage Nabisso. Mais alors, pour Nabato, notre bac au début, Zakubanga. Bazana baka ba maladie baka ba problème, est-ce que ceux qui ba compter na yo papa ba une solution? Oui, bah on a solution papa Jérémie, que la fois pas tout ça les missions ça prophétie, il y a bitumbo za na Ukraine pe na France et ça parce que non, et ça bitumbo zingi se lever ma casa pas ma moi comme nous sont pas les prophètes auto sakola so le kambo sami non, to sakola makambo ve ya des missions présentes dans sakola le kambo na mon Europe bitumba ma casa pe guerre ma casa. Mais les gens se posent des questions que guerre au comme si est la guerre mondiale, non, et ça guerre moi est pour autant et ça va finir. Et après cela né Christ aux l'église a élevé, c'est alors que le vrai guerre est bandé au monde entier. Mais là, et si la paix calamite guerre au besoin, on a Ukraine, ou ça en calamité, ça va rire, ça va pas toucher le monde, ça va finir. Ce n'est pas comme on les moments, et c'est juste nous avons rêvé, nous avons rêvé, nous avons rêvé, mais depuis l'indimélié, je suis en ici, Mathé. De répondre des questions, mon ami, c'est beau. Il n'y a pas bien. Le diable ne te combattra plus encore. Et pardon, le diable ne te combattra plus encore parce qu'il savait que tu es dans son corps. Mais comme tu as quitté son corps, il y a un peu besoin de rattraper, à l'ouvrage, à et ne perdez pas la foi et ne fais pas ce que tu es en train de faire. Bien aimé, c'est le moment de chercher la face de Dieu. Vous savez quoi? Dans le monde où nous sommes, nous avons 3 pouvoirs. Nous avons le diable, nous avons le pouvoir de Dieu et nous avons le pouvoir
des parents et le pouvoir de l'homme de Dieu. Bien-aimé Seigneur, tu peux être dans ce que tu es là. Sachez bien que les quatre pouvoirs dominent le monde. Mais moi, je vais parler plus du pouvoir de l'homme de Dieu. Tu as des choses qui ont été dérangées, Vinayo. Dieu a mis à ses serviteurs la parole puissante. La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Bien-aimé, ils ont quand même été embêtés. Pourquoi? Parce que ils ont l'okomoko et kota katnayo. Mais Jésus a passé ses côtés. Bien-aimé, il suffit seulement de prendre une décision, d'abandonner ce qui est mal, de jeter ce qui appartient au diable. Tu verras la délivrance. Écoutez-moi, Jésus est entré chez les Jassé. À quoi tu passes à Jassé, si Jassé boit. Jassé a donné à manger, à Pessou, puisqu'à vendre, Jésus n'a pas répondu. Mais quand Jassé a la détermination de dire à Jésus-Christ, aujourd'hui je vais prendre ce qui m'appartient, ce que j'avais pris, pour remettre ses propriétaires, Jésus a dit à Zaché, aujourd'hui le salut est entré dans la maison. Pourquoi? Parce que tu as la sémence du diable en vous. Tu as des choses qui appartiennent au diable. Tu as des choses qui n'est pas de Dieu. Raison pour laquelle ça t'empêche de vivre les miracles de Dieu. Le prince de ce monde est venu pour m'arrêter. Il a trouvé rien de lui en moi. En d'autres termes, si le diable avait trouvé quelque chose de diable en lui, il peut peut-être arrêter Jésus. Mais Seigneur, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire des sacrifices. Tu peux faire tout ce qu'on peut faire, mais si d'abord tu confesses pas, c'est d'abord tu t'avoues pas, c'est d'abord tu délaisses pas, tu abandonnes pas ce qui est du diable, tu verras jamais ta gloire. Peut-être ce que tu as, tu crois là ce qui est bien, mais c'est pas ce qui va te donner la gloire. Vous savez quoi? Dans les barques, il y a eu des gens. Il y a eu des choses. La Bible dit, parce que mon gars est menacé dans ta machine, il est menacé bois tout. Mais la Bible dit, il ne savait pas la cause de ce qui a miné le vent, il ne savait pas la cause de ce qui venait. Dieu menaçait la barque. Nous avons menacé la barque, pourquoi? Parce qu'il y avait un jeu à l'intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a ce qui appartient au diable dans ta vie, tu ne verras jamais la délivrance. Écoutez, je parle avec une soeur. Est-ce que ton bon Dieu, ton jeune, n'a rien de manifesté? Mais je me suis tombé dans le soleil, l'esprit commence à me parler que. Jusqu'à aujourd'hui, il a des feux étrangers dans Ndakounaye. Et pendant qu'on priait, je lui dis, Zouaka Bilo, comme ça, tout le monde a photo, mais il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont été. Et on a prié, Dieu a révélé, alors que la vie de la sœur est venue normale. Malade Kéhi, Banaba, Biki, tu es venu normal. Ma soeur, mon frère, le moment, le temps est là où tu peux prendre ce qui appartient au diable et jeter. Tu verras la délivrance de Dieu. Quand tu ne jetteras jamais, rien ne changera. Nous sommes là pour vous, notre numéro est là. Peut-être tu as des choses à confesser. Tu as des choses à parler. Notre numéro est là. Plus 243 89 80 78 003. Plus 243 89 80 78 003. C'est notre numéro. C'est 24 sur 24. Nous prions pour vous. Bien-aimés, aux Amakas, c'est ensemble là. Chacun a son travail. Tu n'as pas le temps pour la prière, mais nous sommes là pour vous. Je suis ici Pierre Boyabiboye. Le prince de ce monde t'a réclamé pour t'éclibrer. Mais moi, j'ai prié pour toi. Bien-aimés, aux Amakas, c'est compliqué. Sache-le bien que si les hommes de Dieu. Prie pour toi, tu peux voir un changement, tu peux témoigner la gloire de Dieu. Pas le bien des hommes de Dieu, pas les hommes du diable, pas les hommes de Dieu. Si on prie pour toi, tu peux témoigner. Si le Saint-Esprit te convainc de nous appeler, éviter les féticheurs, éviter ma maman qui c'est pour là. Combien de personnes, aujourd'hui, Dieu reste Dieu parce qu'il reste souverain. Mais donne ta vie à Jésus, donne confiance à Dieu. Qui c'est pour là, personne confiance et Dieu te sauvera là. Nous sommes là pour vous, disposer pour vous. Et Dieu vous bénisse. Tout le monde qui est en train de suivre, je salue mes mamans qui me soutiennent dans les travaux, dans les conseils. Maman Brigitte en France, qui te vous bénisse beaucoup. Maman Christine au Canada, vraiment, le Seigneur vous bénisse tellement beaucoup, ma maman chérie. Zamba Pambola. Et si Dieu nous fait grâce, ayez les lotés au moins sur la prochaine occasion qu'on a promis. Très bien, que dans PSM, je vais la télé signale mardi prochain par rapport à Maman Zamba Tel Singal. Vraiment, qu'on a Pambola. Merci beaucoup. Voilà, merci l'homme de Dieu, Henri Mbillé. Je crois que. Les gens sont bénis, de merci. Loin ils nous suivent. En tout cas, c'était un moment chaud. S'exprimer quand même librement. Je vous bénis. Merci. Merci pour la fidélité. Merci pour la confiance. Encore une fois, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Équilibre Télévision. Merci pour votre particulière attention. En tout cas, vous êtes des milliers à nous suivre du jour au lendemain. Un grand merci à notre conseiller, Papa Philippe Kabouikou, depuis Fribourg. Na Switzerland, les géants de Berne Doucouré immortel. Il y a le Zombala de Madrid, Maître Sizasuka, ma puissance amie Kili. Je vois également Levier, Bobo, Batombo
et maman l'ami Bekantoy à Londres, maman Espérance à Soutou, la mère des archanges en Belgique, maman Fifi Longo à Londres, Boza et Bélé, 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 les boss et Ticha en Turquie, boss et Ticha en Turquie en tout cas. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine avec d'autres invités et surtout avec le même plaisir. Bye bye et à bientôt. Merci mes frères et sœurs. Zamba Pambola Bino, partout du Sigar Bozolandanga en direct. Ils ont un numéro dans le PSA. 0033-766-27-4002. C'est votre frère, Père Condé Israël, sacerdoce et rataraté. Zamba Pambola Bino. Message de Zamba Koussé Naka au PSA Bino. Tosa Anambok à Paris. En Europe. Nous avons le bien en l'air. Mais quand nous sommes au Congo, en Afrique, au Salangwa, je me suis dit dans le Salangwa, nous avons le bien en l'air. Nous avons dit Zamba ya mangenge au à Paris. Na kati ya Zamba o ya mangenge nge, toza ko sambela Nzambe na bomo. Na moni na kati ya hiver, bato bazota de part et d'autre bazwa en Zamba. Bazo bika ba ozo ba délivrance impossible. Na eko comprendre Nzambe wa lobelenga aza Nzambe ya bomoi. Nzambe ya Edina Bala. Nzambe ya papa na nga apotre Bolia. Oya bondela po na ngai. Na moni makambo zo sala ma ana Paris. Tozo forcer le côté ba ba bika ba ozo ba délivrance. Yango na eko ebisa yo. Kande ngozo landanga. Soki Nzambe yo meka kufa. Na bonde lio na kombo na Yesu 2022 mekano Nzambe na ngai. Zwa numéro wana kana kiso mekano Nzambe na ngai. Na ebisio ezali kambu ya tikota. Na zomu na ba guérison ba délivrance ba femme stérile ba ozo azemi. Ba cancer ezo limwa. Ba trouble ezo longwa. Force du mal ezo disparaître. Na zomu na ngona misu na ngai ba tu maladi ba zo bika. Bato ba problème ba ozo solution bato yo ya mabe bazo kangolama donc na moni Nzambe ko sala e belé bazo continuer ko sala yango na bonde lio na kombo na Yesu ko désespéré ti ko mona te ko sambela trop sur l'ennemi message na ngeya na pa bato ba désespéré tu as beaucoup prié mo so e lokoté mais kana Nzambe na ngai ndeko zo la nanga siko zo adresse mercredi na dimanche. Nana service ya haute spiritualité. Et loko etikali biso na vie c'est la spiritualité. Mercredi na dimanche 15h service sur Salam. Wak. Toza na Saint-Denis 9 rue de la Poterie na Bandeli. Na Saint-Denis na 9 rue de la Poterie. Soko ye mercredi na 15h. Et ama mo spiritualité yo linga molimo yaka. Dimanche 15h. Na 9 rue de la Poterie na Saint-Denis. Viens. Au monde on s'embosser là. Partout du sud en Europe, ou en Belgique, ou en Allemagne, Suisse, partout. Quoiziter noté. Zamba o le tout monde là. Miracle zo sala ba tel mebele. Kotoba ba tozwa na Saint-Denis, ils viennent témoigner. Yusko za invité na ngaya dimanche. Kando zo la na nga sikoza invité ya dimanche oyo. 15h juste yaka. Yaka na libotana. Mon maladie va des impossible. Nzambe na nga biza possible. Omoni ndenge ba condamné yo, condamnation ezo longwa. Na bi dimanche o yo za pona yo. E yo ka pona sukisa. Siloé 2022 yango yi. Eza na mois de juin. Mais mois de juin le 11, les gens viendront témoigner. Mais ngai na yo toyana. 9 rue de la Poterie Saint-Denis. Dimanche 15h service prophétique et banni. Mercredi 14h, 15h, service est banni. Yaka, soit numéro comment 0033-7-66-27-40-02. Moi, t'envoie Benga. Benga, enregistrez numéro sur WhatsApp. Prophétie na yo izali, orientation na yo izali. Quand nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Partout, nous sommes là. Nous sommes là, partout, nous sommes là. Na siloé 2022, Nzamba lobi na nga. Sambela pona ba aîné de la famille. Sambela pona ba femme stérile. Sambela pona ba to bazala ba maladie incurable. Sambela pona ba to bazala ba mauvais sort.
sambela kuna bato ba voûter bango sambela nzamba lobi na mala sambela celibat prolongé ba piège toujours zolanda ola makambo mikanda makambo nyoso za nango viens nous allons implorer la grâce du Seigneur quand nous zolanda numéro ya mona bandalo ko benga ka sikoni benga lo ba père kone na za na kata France Nazana Kata France, mais la place où Nazana, n'importe quelle place où ça, Benga, tu vas témoigner si tu es là. Si quand Zamba Pambola Bino, Zamba visite Bino partout, c'est votre frère, Père Condé Israël. Zamba Pambola Bino. Merci.